Il avait travaillé avec plusieurs personnalités et acteurs. C'est Mathieu Gonnet, son ancien collègue du château de Damary-les-Lys, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. C'est avec une infinie tristesse que je viens d'apprendre le décès de Marco Beacco. Son talent, sa gentillesse et sa bonne humeur resteront dans nos mémoires, écrit le musicien passé lui aussi par la Star Academy. Marco Beacco avait été coach vocal des saisons 3 et 4 de l'émission de TF1, remportée par Élodie Frégé et Grégory Lemarchal. Selon son site internet, il a conseillé de nombreuses personnalités, chanteurs et comédiens professionnels ou amateurs. Il cite ainsi Audrey Tautou, Michel Bernier, Frédéric Diéfantal, De Zucchero, Florent Pagny, Zazie, Morane, Laurent Voulzy ou encore Pascal Obispo. Marco Beacco avait également été coach vocal de François Hollande durant la campagne présidentielle. Il travaillait également avec des agents de la SNCF pour améliorer les annonces faites en gare. Nico Aliagas, l'ancien présentateur de la Star AC, a dit sa tristesse sur Twitter, à l'instar de Michel Bernier, qui a souligné le plaisir de travailler avec le coach vocal, note de la rédaction, et d'y penser à la fille du défunt. En juin dernier, c'est Eddie Oudel Prado, professeur de chant de la Star AC7, qui était décédé à l'âge de 40 ans.